Mesdames, Messieurs les partenaires de la ville de Thiès, venus d'ici et d'ailleurs, d'Italie, du Cap-Vert, de Venezuela, de France, d'un peu partout à travers le monde. Je voulais un peu terminer par mes amis, le président Abdou Mbow, qui représente l'Assemblée nationale, et le directeur général de la Poste, M. Sireja. Madame Ndaye Ndiaye, Monsieur Abdoulaye Dieye, Mesdames Seynabou Ndiegen et Maimouna Sen. J'aurais pu citer les 70% de la salle, mais vous me permettrez de ne pas le faire, puisque nous ne voulons pas abuser du temps du Premier ministre et de sa délégation. J'avais d'ailleurs préparé un discours que je ne lirai pas. Le plan sera présenté de manière assez brève. Donc je tiens juste à dire, à travers le Premier ministre, un grand merci au président de la République. Pendant 2 années et demie, nous avons, sous la supervision du directeur de l'Agence régionale de développement de Thiès, M. Chérif Diagne, travaillé à l'élaboration du plan de développement de la ville. Il y a 1 année, ici, dans cette salle, en présence du regretté président de la Commission nationale du dialogue des territoires, M. Djibo Leïtika, paix à son âme, nous avions présenté la première mouture du plan de développement de la ville, qui a été donc enrichie par les échanges lors de cette journée. 1 année après, nous nous sommes retrouvés au sein du Conseil de ville le 23 novembre 2017 pour recueillir les avis des conseillers et des populations. Et ce plan nous a été livré dans sa dernière mouture au mois de février 2018. Il y a un peu plus de 14 ans, à Thiès, nous parlions de chantier. Aujourd'hui, nous parlons de développement. Il y a un peu plus de 14 ans, nous avions des chantiers centrés autour de la promenade des Thiessois. Aujourd'hui, nous travaillons à développer Thiès de la périphérie au centre. Il y a un peu plus de 14 ans, les uns et les autres avaient travaillé à faire du tape à l'œil. Aujourd'hui, conscients des difficultés que vivent les populations en matière d'accès à l'eau potable, en matière d'assainissement, en matière d'éclairage public dans les quartiers périphériques, avec l'insécurité, nous avons pris en compte tout cela et nous avons exprimé les priorités des Thiessois eux-mêmes dans le cadre de ce plan de développement. Nous avons eu des rencontres avec le président de la République, avec le Premier ministre et les différentes équipes du gouvernement engagées dans le processus, et je laisserai le Premier ministre faire les annonces nécessaires. Mbokki, munuma len geureum
ndax luma wax du doy buma sañon lim ñepp ndax danaka témèr bo jël juroom ñaar fukki ci salwi xamna le waye dañuy wax né xel du jariñ luddul xalaat té bu féké né dañu am gan yo xamné duñu yem ci lu melni da fay jaadu ñu xawa gattal ba man leena gëna yaatal li am solo moy bi suñu équipe ñëwé ci ville de Thiès au mois de juillet 2014 ñun dañu gëm né bo bëggé tabax da ngay am plan yakamti ak gawtu suñu juré dom réccu lay tuddu ah liggéey bobu nak ñu déggo ci ak état wu Sénégal ndax nit ñi dañuy faral di faté né maire ci état bi la bok bis bu né ma wax ni maire en tant que maire la wax waxuma en tant que individu maire en tant que individu mënul opposé wu ak état article 172 dernier alinéa du code général des collectivités locales bi nga xamné mo ñu teunk suñu liggéey dafa wax ni le maire est responsable waxul le maire est associé dafa le maire est responsable de la mise en œuvre dans sa ville de la politique de développement économique et social définie par le gouvernement bo nekul maire ngay wax sa waxu bop conséquence bu ci am ci yow lay yé mais bu féké da nga wara wax ci touru ab dekk lem bu féké gan gu fi man ti ñew bala jël cadeau nga jël cadeau du sa cadeau bop ngay jël cadeau gi may jël jëlumako ci suñ touru wa kër wala ci touru samay xarit cadeau wa Thiès la yor kon suma yoré cadeau wa Thiès owma sañ sañu am bëgg bëgg ay xalaat ba wax lo xamné déppowul ak ñariñu Thiès té ñariñu Thiès moy lan moy xam ngeen né fukki at ak ñent ci ginaaw amon na chantier néna leen légui nekatuñ ci chantier ci développement lañuy djublu yokku ba yekko ngir lolou nak du rek defar ay place yu nek ci diggu Thiès ngir ñi fi ñew gis ko mu rafet ci seeni geut développement moy doomu adama yi nek ci dekk bi te dekk ñu dekk Thiès amna ño xamne ci ciat ye lañ dekk amna ño xamne ña nga ci ginaaw tiali amna ño xamne ña nga keur Modou Ndiaye amna ño xamne ña nga Thionax amna ño xamne ña nga Daru Salam amna ño xamne ña nga keur Massamba Gueye amna ño xamne ñi ngi Sapko ñi ngi Thiès non ñi ngi fenen ak fenen ñoña ñep di am ay problème ci walu assainissement am ko ci walu éclairage public am ko ci walu sécurité am ko ci walu ndox mu sel mu ñu mëna naan ñoñu lañu def suñu yitté bobu nak jël nañu ñaari at ak genn wal liggéey ci daaw ñew nañu andi fi liggéey biñ defoon te Chérif Diagne mi jité ko ñu andi ko jamono boba ndem ci yalla ci Djibo Leytika moko téyé won ñu laaj leen seen xalaat nit ñi joxe xalaat yakamti wuñu ñu liggéeyat ci at do ko présenter ci conseil de ville le 23 novembre 2017 laajat leen seeni xalaat ñu joxe wat ko ñu joxat ko Chérif ak équipeam ñu liggéeyat ci ba wéru février lañ ko jox ni ñu gisé plan bi nak dina am luñ ci présenter légui ngeen xamné Thiès yépp lañu bayyi xel légui politique du affaireu parti légui politique moy xam yité doomu adamay ba paré né ci ñu ci wo nak wa Thiès yépp ginnaw buñu gëreumé le président de la république Macky Sall xam nga nan lay amé Thiès bu ko Thiès amé
xam nga nan lay amé ties moy yité ties way yi may wax mu duggal ci loxom monsieur le premier ministre waxal président soxlawul tontonté soxlawul fayonté limu soxla pour ties moy yité yi ñu xam nga xam ko moy yité yoyu mu def ci kemtalay katanam ba nga xamné safara bobu nit ñi buñu yokko ba yekko buñu woté suba dara ñu xamné ngaaxi tukkal desu ko pergal mbocior